Eh bien bonjour les amis, c'est Agrippa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour comment mettre la map Overman en français pour que vous n'ayez plus les missing et tout ça. Je suis en compagnie d'un abonné, Le Cadra, bonjour à toi. Et il a mis en lien dans le Discord, donc très important, venez sur le Discord. Dans la catégorie, je vais vous montrer tout ça bien sûr. Hop, on va basculer de fenêtre. Dans la catégorie mod, il a mis un fichier. Vous cliquez juste sur télécharger, ouvrir avec rare. Hop, et là vous aurez le fichier, tout ça. Et maintenant, il va nous expliquer la suite du processus. Alors, je crois qu'on va même aller encore plus simple. Tu vas dans tes téléchargements. Donc, tu as le dossier que tu as téléchargé sur HTML. Ouais. Donc, tu cliques deux fois dessus et t'as le. Donc, tu ouvres le dossier. Tu vas voir le 10FR XML. Exactement, là je l'ai sous les yeux. Donc, tu le prends et tu le fais glisser sur ton bureau directement. Comme ça, au moins, ça va éviter d'ouvrir plusieurs fenêtres. Tac, voilà. Il est sur le bureau. Voilà. Hop, Voilà. ça je Après, peux tu vas. refermer. Le Discord, on Voilà. va le mettre en attente. Alors de toute façon, il va falloir qu'on rouvre. Donc en dessous de téléchargement, tu as tes documents. Mes documents, ouais. My game. Ouais. Farming Simulator. Ouais. Je vais chercher la map. Après, tu vois, oui, les modes, dans les modes. Alors, Après, tu vas chercher la map. off perman. Ouais, si je vais dans les J alors qu'elle est dans les H, je vais pas m'en. Voilà, elle est là. Donc je Et tu double-clique pour l'ouvrir. voilà pour l'ouvrir Voilà, donc là et maintenant, après comme vous pouvez tu voir, descends j'ai tous les dossiers qui correspondent à la Offerman. Voilà, là j'ai les dossiers 110 2E, anglais, français, mais il est déjà à FR. ouais mais c'est pas si tu veux il est pas valide quoi Ah, d'accord. Donc là, vous avez tous les dossiers comme ça. et donc tu prends le dossier que tu as mis sur ton bureau. Ouais. Tu cliques une fois à gauche de ta souris, tu restes appuyé, donc tu le fais glisser. Je le Alors glisse là, faut... dans. Là, ça me. dessus, tu sur le 10, sur le 10FR XML, tu glisses dessus. Et tu relâches. Et tu Alors. vois, ça va te demander nom et paramètres de fichier. Tu fais OK. Et puis voilà. Ça va te le mettre directement dedans. Voilà, donc là il est dedans. Donc les amis, bah maintenant moi je vous propose c'est qu'on aille voir in-game qu'est-ce qui se passe. Voir si la manœuvre a fonctionné. Sinon, bah on peut l'engueuler directement, il est en direct avec nous. Voilà, tout à fait. Donc les amis, maintenant ça va être mystère. Je vais juste vous remettre le bon. Tac. Voilà. Juste attendre que le jeu y charge. Parce que bien sûr, monsieur, il est un peu pénible. Donc les amis, je répète, bienvenue sur le Discord qui est en description, hein. Sinon, ben, vous n'aurez pas le lien type. Et après, on va faire pour également tout ce qui est pour être sûr, on va recommencer une nouvelle partie parce que l'autre il faut de toute façon que je la supprime. Faut que je la dégage, c'est une ancienne carrière qu'il faut que je dégage. Ok, j'ai la caméra qui veut pas s'afficher. Voilà, merci. Donc les amis, bien sûr. Bon, ok, j'ai la caméra qui veut pas s'afficher, c'est pas grave. Donc les amis, venez en Discord, le lien est dans la description. Dans la catégorie mode, dans le salon C'est ça. mode. Le cadre a mis en lien un fichier rare. Vous appuyez juste sur télécharger, ça va vous ouvrir le fichier. Le fichier, vous le glissez sur le bureau. Après, vous ouvrez votre dossier mode. Vous ouvrez la map, comme je l'ai fait. Et vous glissez le document. Ça va vous ouvrir une autre petite fenêtre avec qui vous donne des infos et tout. Vous cliquez sur OK. Ça remplace le fichier. Et maintenant, on va vérifier ça en game. Si bien sûr il veut bien démarrer.
Et petite info, je vous mettrai un deuxième dossier parce qu'il y a deux dossiers. Il y en a un pour la traduction française et ils en ont fait un aussi pour les transports de mission. Voilà. Donc là, c'est identique, sauf qu'au lieu de chercher le fichier 110 machin, le fichier aura le nom par rapport aux missions, je pense. Voilà, c'est ça. Il sera, je crois, de mémoire, Transport c'est deux lignes mission, je au-dessus. crois, ouais. Voilà. Il sera deux lignes au-dessus. Alors, on va vérifier ça tout de suite, les amis. Le jeu a démarré. Hop là. Alors, typiquement. Alors moi, petite info, Voilà, moi, ce que je ça fais pour marche. voir. Merci à tous. Voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, moulin à huile. C'est Et ça. maintenant, je vais vite aller, comme je suis à la ferme, on va vite aller vérifier juste à côté. Par contre, je vais remettre la caméra en mode comme ça parce que. Alors, si je vais vers les poussins, tiens, c'est plus marqué missing, c'est marqué poussin éclos et œuf à couver. Donc, voilà les amis. Donc, maintenant, ben, tout simplement, on va juste quitter la partie, comme vous avez pu voir que ça fonctionne. Hop. Ah, mais voilà pourquoi ça marchait pas ma caméra, je suis con. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Bon, maintenant j'ai le jeu. Voilà. Hop, j'ai le jeu qui va planter. C'est génial, mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, bon, vas-y, charge. Hop. Oh, il est pénible. Je déteste quand il me fait ça. Voilà. Donc, il va vous mettre également le lien, la même chose pour le reste. Donc, maintenant, je vais refaire la manœuvre pour le. Elle est où? Off-perman. Donc vous ouvrez le dossier, donc là vous avez tous les dossiers qui concernent la map, les scripts et tout machin. Dans quand vous téléchargez le pack dans extra vous avez par rapport au manure système ou bien aux saisons animales. Donc le saison animal vous ouvrez et puis vous voyez vous avez animal XML. Donc vous cherchez ce truc animal XML. Dans tous ces fichiers. Si bien sûr je le trouve, ça c'est une autre histoire. Il y a bien animal, mais bon, je pense pas que c'est celui-là. Dans le, tu parles dans le dans la map, c'est ça? Alors, Animal map. Où est-ce qu'il est ce animal? je te dis ça tout de suite. Donc après là comme il a dit après il y aura pour également le l'émission Pour les transports de mission, oui. comment j'ai dit qu'il s'appelait le mode maintenant le fichier animal XML il est où ce fichier animal XML là? Ah voilà, il est dans le truc saison. Ah bah oui, il faut aller danser, hein. Et puis Mais après, bon. bah, vous prenez l'animal XML que vous avez là. Vous venez le glisser à la place d'animal XML. Bon, bien sûr, là, ça me demande le mot de passe pour. Mais bon, je vais vite aller le chercher. Le mot de passe, c'est vite fait, ça, de toute façon. Quand on sait où il est. Comme ça vous fera un rappel. Hop, il est là, le mot de passe. Comme je prends directement depuis le dossier extra, j'en ai besoin du mot de passe. Comme je ne suis pas connecté avec le compte premium, enfin le compte premium, le compte. Voilà, ça vous rouvre la page, machin, tac, tac, tac. Vous appuyez sur OK, hop, ça le remplace. Et voilà, fini, amen, terminé. Par contre, pourquoi il y a deux trucs d'animal Alors, dans les extras, Ouais. alors, je vais t'expliquer. Tu as dans les extras, donc attends, j'ouvre. Tac. Donc, tu as le match. Alors, attends, non, parce que je ne veux Ouais, pas machin écorcher, version désolé. là. Machin version. Alors, ça, c'est pour avoir en mode saison. Ils ont fait une version où, de base, les vaches qui se reproduisent dans les prés
ou même à l'étable. Alors, je ne parle pas des roues, hein. Je parle allez, dans les parcs, on va Ouais, dire. les vaches normales de base dans le jeu. Voilà, les vaches normales, ça te faisait des vaches. Et avec le Machem, le premier, si tu mets celui-là à la place, tu remplaces celui-là d'origine. Alors, d'origine, c'est des vaches. C'est ce qu'ils ont mis, c'est le deuxième, c'est le Ouais, ça Wesh. c'est celui de base donc. Voilà. Et celui-là en haut, tu auras une majorité de mâles, de taureaux, donc. À la place d'avoir des vaches, tu auras des taureaux. D'accord. Donc voilà, c'est le petit plus qu'ils ont fait. C'est que la reproduction dans les parcs et dans les prés, quand ils se reproduisent, au lieu d'avoir des vaches, tu peux avoir des taureaux à la place. Donc dans le truc machine machin là, Voilà. c'est Ça, vraiment typé voilà. pour Taureau. la off quoi. Voilà. Et l'autre c'est celui de base qu'on a, donc une vache va se reproduire en faisant une autre vache sans qu'on passe par l'étape du veau quoi. C'est ça. Et Donc le Machem, c'est mashing. pour les vaches et Welsbich, c'est pour les femelles. D'accord, donc en fait ça dépend lequel on veut quoi. Voilà ce que vous voulez. Alors si vous mettez rien, tu peux rien mettre, hein. Donc ça sera comme de base, ça sera femelle. D'accord. Mais après, quand tu dis est-ce que tu as déjà testé, le Alors mâle, ça, j'attends. il apparaît comme ça ou bien t'as pas encore Non, ça, arrivé moi à l'étape? j'ai pas encore testé. On les a fait avec les copains sur le Discord, sur ton Discord. On a fait ça hier et tout ça. Donc eux, de leur côté, ils le font parce que moi, je joue pas en mode saison, malheureusement. Pas malheureusement, je joue pas en mode saison. Donc eux, ils testent et ils vont me dire. Mais théoriquement, la manip est comme ça. Après, maintenant, à voir si ça fonctionne. Normalement, je pense. S'ils l'ont mis en finale, c'est que ça doit fonctionner. D'accord. Donc, et ben voilà, les amis, ce sera ouais, une courte vidéo, pas vraiment, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, en Discord, il y a le lien en description. Et vous avez dans la catégorie mode le cadre qui a mis en lien rare parce que les autres liens qu'il a mis, si vous n'êtes pas sponsor, vous n'aurez pas accès au téléchargement car ça vous renvoie sur le site et il n'y a que les sponsors qui ont accès. Donc il vous a fait un lien rare. Merci à toi. Donc ce lien-là, comme je vous l'ai montré, hein, je vous ai montré toutes les étapes, le télécharger, tout, tout, tout. Mais maintenant, ce que moi je vais faire, parce que je vais prendre l'autorisation, parce que pour moi, si on a le droit de faire la manip, on a le droit de partager. Je pense que si vraiment certains ont vraiment beaucoup de soucis ou n'osent pas le faire, à voir. Mais je vais peut-être vous mettre la map traduite. Donc la map que moi je viens de modifier, je vous la mettrai en lien méga. Si vraiment je vois qu'il y a beaucoup trop de gens qui galèrent. Mais moi-même qui suis pas expert, avec le cadre, ces explications, vous avez très bien vu que j'y suis arrivé. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors je te remercie encore infiniment. Et puis moi je vous dis à plus les amis pour de nouvelles aventures. Ciao ciao tout le monde.